Yo les crocs, c'est Toshikro et bienvenue aujourd'hui sur Araya, un nouveau horror game qui m'a été proposé par Yeni sur Facebook. Donc merci à toi Yeni, d'ailleurs elle m'avait aussi proposé le jeu Home Sweet Home. D'ailleurs, il y a quelques ressemblances avec Home Sweet Home pour ce jeu. Je ne connais absolument pas, je sais que ça se passe dans un hôpital de type psychiatrique. On peut le voir là sur l'écran en titre, ça ressemble à un hôpital en tout cas. On a une chaise roulante. Écoutez les crocs, allons-y. Donc c'est une démo comme Home Sweet Home, je vais le préciser. La démo sera dans la description de la vidéo si vous voulez la télécharger, les crocs. Pas de soucis, profitez, c'est gratuit. Ok, donc on est en jeu, c'est parti. Que l'aventure commence, game saved. D'accord, donc dès le début, on nous dit déjà de sauvegarder. Ok, alors, view object, left click. Ah oui, ça c'est une langue que tout le monde connaît, bien sûr. Ça c'est le genre de langue que t'apprends en CP. Hein. Ah d'accord, il y a une traduction. I'm going to buy a drink, be right back. Je vais y aller boire un verre, je reviens bientôt. Bien. Donc on ne sait pas de qui a été écrit ce machin. On n'a pas de lampe torche, il fait très très sombre. Mais écoute, oh là. Allons-y. Alors j'entends... Putain, il y a déjà des pleurs de... Oh putain, c'est fermé. Ah non, c'est ouvert. Ah. Putain, qu'est-ce qui fait sombre, il me faut une lampe torche. A newspaper article saying 5 people brutally murdered in horrific tragedy. Ok, donc un article de journal dit 5 personnes ont été brutalement assassinées ou tuées dans de tragiques conditions. Voilà. Ou alors c'est une tragédie horrifique. Voilà, ma traduction. Traduction by Toshi, hein. Toujours de qualité. Oh la vache. J'y vois que dalle. Ok, donc on peut régler la luminosité dans les options du jeu, mais ça ne change absolument. Y'a personne! Laissez-moi faire caca! Oh putain, ça craint. Bon, on va ouvrir, je vois absolument rien en fait. Je ne vois absolument que dalle. Oh là 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 là. Oh putain. Ok, ça s'est ouvert. Y'a rien. Y'a rien, les crocs. C'est safe. Ah ! C'est safe ! On y va. Y'a de la lumière, là. What the fuck ? C'est quoi ces rires, là ? Find of the... Ok, je dois trouver d'où vient la voix. Bien, allons-y. Écoutez, crocs, pour l'instant, c'est pas trop mal. Bon, bien évidemment, nous sommes totalement seuls dans cet hôpital. Peut-être pas, vu les rires qu'on entend de ce genre, voilà exactement. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle nous veut? On ne sait pas. Alors, il y a un truc ici. Un email. Un empty envelope. Une enveloppe vide, c'est ça? Ça doit être ça. Une enveloppe. Ah! Putain de chaise roulante! Oh, elle m'a fait peur! Je suis pas censé avoir peur des chaises roulantes, bordel. Ah là, ça m'a tué le bide. J'ai trop contracté, en fait, en ayant eu peur. Bon, on reprend. Alors, ok, est-ce qu'on peut la pousser? Non. C'est bien dommage. Pourquoi ils ne nous ont pas mis une petite lampe torche? Qu'on y voit un peu plus clair. Ah, un ascenseur. What the fuck? Je crois qu'il y a des trucs qui ont... Je crois que la chaise roulante est de nouveau là. Ah, pourquoi il y a des bruits chelous? Vite, 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 vite! J'aime pas ça, moi. What the fuck? Ok. Oh putain de merde, c'est trop flippant, les crocs. Ah, je vous jure, c'est trop flippant, là. Oh la vache! Vite! Oh la vache! Cette tension de malade! Eh, franchement, là... Merde. Bon, alors, j'imagine qu'on aura droit à une... À encore une femme... en robe blanche... Avec, tu sais, les cheveux noirs, on aura droit à ça, hein, forcément. Ou à une petite fille. Voilà, ou à une petite fille. Putain, la chaise roulante est encore là, je la vois. Putain de merde. Vite, on va y aller. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On n'y voit vraiment pas grand-chose, putain. Oh, oh, oh. Pourquoi il y a... Ok, il y a un ballon qui vient de me tomber dessus. Quelqu'un veut jouer avec moi, on dirait. Sauf que moi, j'ai pas très envie de jouer avec lui, bien évidemment. Oh putain, encore des choses volantes.
Bon alors dans ce jeu c'est clair que les chaises roulantes, les creuses sont nos ennemis les plus terrifiants. Hein. Donc on fait très attention. Est-ce qu'on peut sauter au-dessus? Oui! Bien! Bien joué! Bien joué. Et les chaises roulantes n'ont pas bougé, ça c'est excellent. Super, on continue. Ah! Mais ça le prix! Qui a fait ça? Qui a fait ça? Putain, je croyais que c'était du sang, mais pas du tout, c'était des traces de pneus. Ok. Ok, ok. On ne ferme pas la porte au nez des gens, c'est mal poli, monsieur le fantôme. Plutôt mademoiselle la fantôme. Alors je dois aller où du coup? Bon, bah je pense qu'il faut retourner en arrière. Ah là là, fait chier. Non, 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 non. Merde. 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 Y'a des cafards. J'ai vu un truc. J'ai vu un truc. Laisse-moi. Ah, ah, oh, oh. Putain, 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 la panique! Panique, 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 panique! Ah non! Ah la salope! Oh. Ok, bon, bien, très bien! Très bien, ok. Ouh, putain, c'est pire qu'un film d'horreur le truc, c'est abusé. Je vous jure, c'est abusé. Bon, ok. Alors, voilà, donc là ça claque. Ici je ne peux pas y aller, donc là on va revenir en arrière! Et c'est là que tout se joue. Ok, c'est maintenant. Ah! Allez, 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 touchy! Allez, cette fois je me retourne pas, les creuses! Cette fois je me retourne pas! Ok. Ok. Oh la vache! Oh la vache! Elle est horrible! Elle est horrible! Elle est horrible! Oh, elle est là-bas! Ah putain! Chapitre 1. Ah, on a fini le chapitre 1? Donc on s'est fait choper comme une merde à la fin, c'est ça? Attends. There were so many stories of ghosts inhabiting this hospital. Me dis pas que c'est fini. Oh non. Because of those stories, the hospital was forced to close down temporarily. Il y a pas de sous-titres malheureusement. J'essaie de comprendre mais. However, there are still some strange rumors coming from people who pass by there. They said they saw mysterious shadows and even heard horrifying D'accord, screams. Okay. Some even said that the local junkies gathered in that place. But that's just what I've heard. Ah! Salut toi! The last time I saw Aria was here, years ago. That day, she mysteriously disappeared. D'accord. But then the other day I received a message from Aria saying she was at the hospital. D'accord. Oh là, elle est vraiment pas mal hein. That's the reason I'm here tonight. Alors. Ah, je crois que c'est la fin de la démo les creuses. Je pense bien. 24-11-2016. D'accord, donc ouais, donc la démo est sortie hier, on est le 25 aujourd'hui. Enfin, je fais cette vidéo le 25. Je sais pas quand elle sortira. Donc, ok, donc la démo donc est sortie hier. Et on ne sait pas quand le jeu final sortira. Et c'est dommage. Ok, bah je pense qu'on a fini. On va appuyer, mais je pense qu'on a fini. À moins qu'il y ait le chapitre 2 dans la démo, ce qui m'étonnerait très fort. Non, ok. Ok, et eh ben écoutez, Croze, c'était particulièrement très court. Que dire? Si tout le jeu part du principe de ce qu'on a vu dans cette démo, ça va être énorme. Ça va être énorme. J'ai pas compris trop la fin, parce qu'elle parlait anglais, j'ai pas compris l'histoire. En gros, dans l'hôpital, une fille a disparu, et depuis qu'elle a disparu, il y a des apparitions, des ombres. Il y a quelque chose...
qui est encore vivant dans cet hôpital, qui est d'ailleurs abandonné. Et je pense que c'est la sœur de la fille qu'on voit à la fin, donc c'est pour ça qu'elle part sur les traces de sa sœur, un truc comme ça, bref. J'espère que ça vous aura plu, les crocs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like en dessous de la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve très bientôt, encore une fois, la démo est disponible dans la description de cette vidéo si vous voulez la télécharger. C'était très sympa, j'attends encore une fois le jeu final comme Home Sweet Home. J'ai hâte que ce genre de jeu sorte vraiment et pas qu'il nous propose une démo et qu'on n'entende plus jamais parler de ce jeu, parce que c'est malheureusement le cas pour beaucoup d'indie horror games. Sur ce, les crocs, portez-vous bien, on se retrouve prochainement pour de prochains horror games. Ciao !